Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de ce Let's Play sur Galactic Civilization 3 Crusade. Donc on avait fini la Terre Unie, les Yor étaient à l'agonie avec la dernière planète en pleine zone d'influence des Onyx, de l'Onyx, et on allait s'occuper à la Créa. Après que j'ai détruit pas mal de petites zones de possibilités de trucs. Alors toi, ouais, j'ai un vaisseau de construction qui est tout seul ici dans son coin. Globalement, il n'y a pas grand-chose, hein. On s'en tape un peu, c'est un peu comme là. Ce qu'on va faire, on va surtout aller ici pour après pouvoir mettre en place quasiment et piquer dès que la crâne sera dégommée ce qu'on peut dans le secteur. Alors, planètes ont trouvé que les races échangeant des technologies ont pris un avantage sur les autres. Ces technologies, à leur ennemi, elles composent donc une interdiction sur la technologie. Oh ouais, moi je suis pas contre. Ça peut endiguer l'IA, mais ça me va. Donc, toutes nos flottes sont en train de se rediriger sur la gauche. Que je pense à faire les mines. Bon, je vous avoue, je m'en fous après où ça part la prod, mais bon, déjà ça fera sa prime. Xeno machin. Alors, ce serait pas mal d'avoir un truc un peu plus rapide pour les systèmes de traction. Et après, il faut qu'on fasse aussi les life support. Enfin, l'autre objectif. Rallye point, je t'envoie là. Moi, je l'avais déjà fait. Ah, c'est pas ça. On n'avait pas un commandant. Voilà. Privateur, amiral, navigateur, exterminateur. Genius, exterminateur, can use a cruel gift to wipe all the life in the world, convert into a deadly sport ship. Pas faire biological life planet. On a une petite fois que le navigateur a powerful look sur une heure sur table. Transport, non, ça va. On va en refaire en amiral. Alors ici, Bural, oui, Bural, c'était le... Et au niveau moral, on était pas trop mal. On va quasiment en profiter pour faire une ferme, parce qu'on a vu que niveau pouf, on était pas forcément génial. Et que surtout, j'ai retourné sur la fausse terre.
Foster, la Foster. Voilà, c'était là. Pour que toi, tu fasses. Une cité et une cité. On profite à fond. Voilà. Les deux autres arrivent. Et ça, on est jeté. Voilà, Lisbonne. 7. Pour l'instant, toi t'es. Bref, truc là, toi tu vas aller ici. Toi tu vas aller là. On va faire 3 et 3. De nos transports. J'ai l'air de casser les couilles des rouges. Alors, ça c'est bon. Alors, voilà. Ouf. Faut que je fasse gaffe, le moral est pas génial. Hein. Production, croissance. D'accord. Ah mais c'est les. Ils sont tous en train de crever dans. Dans les champs après la destruction de leur vaisseau. Voilà. Là par contre je te mets à côté. Parce que je pense qu'il y a le drone qui est l'autre qui va pas tarder à arriver. Alors, une cité. On va reprendre les trucs petit à petit. Le sol, machin. Surtout après on va se développer les techs pour augmenter encore le moral.
Allez. Oui, on déclare la guerre. C'est fait. Ouh. Allez, on va regarder un peu là. Ah oui, ça va. Ça, c'est un vaisseau. Assigner un commandant, ça donne une personnalité différente, base en pratique qui va plus se foncer dans le tas et massacrer, un autre qui va plus essayer de contourner, diviser sa flotte, ce genre de choses, ça peut être très très sympa, hein. Un peu comme ce qu'il y avait dans Star Wars Rebellion, vous allez vraiment comprendre un comportement de vaisseau assez différent, après sur ce qu'est comme une petite tartine en commandant, où c'était un peu plus, c'était un peu plus gros, est-ce que vous ne pouvez pas vous replier. Toi, t'es endommagé, on va attendre. Toi, on a dit que toi, ça c'était bon. Tu vas aller là. Ah, c'est un social construction, très bien. Ça donne quoi? Plus d'influence. Par contre, c'est le bordel. Hein. Tout de suite, recherche. Détruire. On va une cité et du moral. Et après on verra le reste. Et je dois avoir un vaisseau de drone qui doit. Où il n'y a pas assez. Non, il a dû être déjà construit. Voilà. Et toi tu vas aller ici. On lancera l'assaut sur leur capitale, déjà ça devrait foutre le bordel. Voilà, 4000, on a combien? On a 5000, ouais. Go. Battle. Très bien. Kansan, on n'avait pas avec toi, on avait avec toi. Bon là je joue. Ah et par contre c'est messieurs laser. Donc on n'a aucune défense. La partie de la flotte approche. Ouais c'est ça. Heureusement elle a pété nos. Et voilà, ça, bon, ça on s'en doutait. De toute façon, j'ai une autre flotte qui arrive là. Le moral. Le moral est vraiment pas bon. J'ai fait le truc de voilà, missionnaire Center. Créa, donc ça c'était leur capitale. On fait quoi? On va en faire un petit centre de recherche. Oh, putain, ouais, centre de recherche, hein, clairement. Computer core, one per player. On détruit pas. On fait un package de construction ici. Pace elevator.
Alors, ensuite. Est-ce que l'idée, c'est que du coup, qu'on a les techs maintenant, on sait qu'on peut y aller à fond. Oh putain, sur 85 par contre. Ouais. Seulement. Oh si, bah, de toute façon ça change rien, ça fait plus 5, plus 5 de rocher. Ah non, plus 3. Habitat. Plutôt ici du coup. Terraform, ah d'accord. Une caisse de plus. Ici ça, ça en a entouré. On va peut-être... De toute façon, il va nous faire. Merde. Ça, je voulais faire. Il va nous falloir de l'affluence. Donc, ce serait plutôt par là à terme. Et de toute façon, il va nous falloir des cités. Voilà. On va mettre tout en haut. La capitale technologique, c'est la dernière chose à faire. Et centre de morale. Voilà. Après, on verra ce que ça donne. Allez, on charge les vaisseaux. C'était où ça? Ah oui, c'était la sous-fif. Par contre, le moral est catastrophique. Ça donne de l'argent. Il n'y a pas à chercher, hein, même si c'est pas forcément non. Super génial. Ou alors ce que je fais, tac. L'avantage que là, ça donne plus 2 en... Ah mais non, mais j'ai pas somme de son d'abondement, d'accord. D'accord, d'accord. C'est pour ça que c'est aussi catastrophique. Voilà. Ça c'est fait. J'ai un vaisseau totalement à la ramasse. Hein. Alors ce qu'on va faire par contre sur la terre, on va refaire après un ça, on va faire deux portes vaisseaux. Et ça c'était donc la petite planète du corps.
On fera l'astroport également. Ah non, l'astroport est déjà là. Donc, il te refaut toi par contre. On va y aller. Hydroponique, hydroponique. Ici, ça, c'est un bonus d'affluence. On va faire là cette après partie réorganisation des vaisseaux et c'est le bordel. C'est quoi? Relique culturelle, ça m'intéresserait. J'ai vu qu'il y avait un vaisseau de construction qui était passé. Pour l'instant, là, on va tout entasser là et puis on va tout revoir, tout modifier comme on peut. Parce que là, les morales des le bonheur des planètes, c'est pas génial. Sacré portail en station. Ah oui, non, c'est peut-être pile poil de tirage. Donc, ça c'est ma première. Ah, c'est la deuxième flotte. Ça c'est la troisième. Et là c'est la première. Voilà, donc là déjà, je préfère ça. M'étonnerait que là on arrive à... Comment il faisait pour capter? Ah oui, non. Autant aller par là pour essayer de choper les astéroïdes ici. On va refaire les astéroïdes là. Pas tout à choper dans les zones conquises. Oh, le York qui tient toujours hein. Donc pour l'instant on attend, réorganisation, reconstruction. Peut-être pas les coloniser là tout de suite, hein. Ils ont droit là. Hein. Ah si, je me suis dit qu'il fallait que je me fasse celui-là. Bon, on réorganise déjà la flotte. Alors, on s'en fout, ce que je veux juste que c'est... Voilà. Alors, ici. Donc au niveau flotte. Première flotte,
première flotte va aller ici. Ensuite, ça va être la deuxième. Toi, t'es un commandant, je pense. Donc, toi, t'es la troisième, même si t'as changé de nom. Toi, t'es un. Voilà, on va faire ça progressivement. Oh, et puis j'ai une station à détruire là aussi. J'ai un espion disponible. Les prochains, de toute façon, ça va être. Je pense que ça va être l'Onyx. Voilà. Donc là, on est bon. Là, on est bon. Là, ça, c'est un porte-avions. Tu viens par là. Toi, t'es bon, on va sortir le porte-avions pour mettre un, vraiment un par flotte. Drone exactement, pas porte-avions. Ils sont, s'ils sont morts, les acteurs. J'ai eu un gros doute d'un coup. Population approuvale, ça c'est bon, ça donne de l'argent, ça donne de l'argent. Et ben. Ça me dérange pas. Hein. On va faire ça, et là par contre on va faire quand même une cité. On va mettre tout de suite en premier. Ce genre général, ça permettra que la population augmente un peu. Donc là, ça, là on est bon, là on est bon. Je vais en avoir un, je vais en avoir en approche. Dans ce bordel là. Pour l'instant, on va attendre que les autres carriers arrivent. Bon, toi, par contre, moral, t'es à plat plat. C'est l'élévateur et surtout. Ensuite, toi c'est bon, c'est en train d'être fait. On va faire l'usine et après c'est toi c'est prévu également. C'est normal, tu viens d'être conquis. Très bien. Toi pareil, ça va être en route une fois que les usines seront faites. Pareil, toi tu viens d'être conquis, ça sera fait quand les usines seront faites. Enfin, ça sera. Il y en a déjà. On va faire un centre de la gentillesse, voilà. Et toi, par contre. Toi, ça va être amélioré. Donc ça on a fait pour les. Alors, on a vu qu'il fallait le live support quand même. Qui était quand même à la. On était à la ramasse. Et après on fera portée, coup, poids. Donc, toi tu vas aller là.
faudra que j'améliore les chaffes également. Ah, je regarde, c'est combien l'upgrade. Ah, putain, 4000 par vaisseau. Bon, l'avantage, c'est quand même des petits vaisseaux. Toi, t'es toujours pas bon. Alors, habitat, et je peux en faire deux tourelles. Donc on va faire ça, on va faire ça. Et après on va faire une cité et c'est l'avantage des. Ça l'ingénierie, c'est que c'est beaucoup moins long à être fait. Ah, j'ai vu qu'il y avait une cette boîte, un vaisseau totalement à la ramasse. Alors, on va commencer à trier. Le but, c'est dans les flottes, mais quand même les vaisseaux plus modernes. Alors, est-ce qu'on a du vaisseau? Alors bon, on finit la tech. Ah, de toute façon c'est en gros c'est des premières générations. Voilà. Je regarde s'ils sont pas endommagés. Même pas mal, ça fait 44 fil générateur. Passe de 0 à. Voilà, c'est fait. Donc, 5, 6, 7, 5, 6 et 7.
Donc j'ai. Alors, ce qu'on va faire. Oh, et là je suis parent. Puis bizarrement. 60. On va y aller dedans ou pas, toi? Ouais. D'accord. 70, 70. Alors là, on est sur 78. Donc, ce qu'on va faire. On va attendre que les shafts soient améliorés. Non, s'en fout. Voilà, on va attendre 4-5 tours. Et ben sur ce, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc prochain épisode, on va améliorer, refaire des vaisseaux. On va faire, je pense, des petits vaisseaux de transport de chasseurs, mais cette fois-ci pour pouvoir bien remplir les flottes jusqu'à 70, plus de 70 sur 78. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Salut tout le monde!